Bye Doudou. Texte, Tom Elian. Illustration, Jeanne Massé. Maison d'édition, Mijade. Mon papa est très grand. Alors, il achète tout en grand. Il m'a même offert un doudou géant. Le doudou occupe tout mon lit. Je n'ai plus de place pour dormir. Hé, l'ours, bouge-toi un peu. J'existe. Qu'il est lourd. Je suis obligée de le traîner partout avec les deux mains. Avance, gros patapouf. Allez, fais un effort, mon gros doudou. Mais finalement, c'est sympa d'avoir un doudou comme ça. Il me protège du vent et des gouttes, comme un chapeau. Mais pas seulement. Hier, il a fait peur à un chien méchant. Ce matin, incroyable! En me levant, je me suis dit... On dirait qu'il est devenu plus petit, mon doudou. Papa, maman, mon doudou a rétréci. Mais non, voyons, c'est ton doudou de toujours. Pourtant, je ne dis pas de bêtises d'habitude. Alors pour voir, je l'ai mis debout contre l'armoire. Et oui, mon doudou a juste la même taille que moi maintenant. C'est chouette d'avoir un doudou de la même taille que moi. C'est comme si j'avais un frère jumeau. On joue ensemble. Je lui raconte tout. L'hiver est arrivé. Et mon doudou a encore rétréci. Je le mesure en chaussettes. Avant, il faisait 6 chaussettes et demie. Maintenant, seulement 3. Maman, papa, mon doudou, il est vraiment devenu tout petit. Mais non, Nicolas, répondent mes parents. C'est bien ton doudou, avec ses oreilles rondes, son petit foulard rouge, ses pattes de couleurs différentes. Maman, papa, arrêtez de le laver en cachette. C'est pour ça qu'il rétrécit. Mais non, mon chéri. Nous ne l'avons pas lavé si souvent. D'ailleurs, regarde, son nez est tout sale. Bon, ça peut être sympa quand même, d'avoir un doudou à cette taille. Allez, accroche-toi, doudou, on descend vite. Maintenant, il dort sur mon oreiller. Le soir, je lui raconte une histoire. De tout près. C'est doux comme un secret. Mais mon doudou rapetisse chaque jour davantage. Je n'en parle plus à maman, ni à papa. Ils l'ont peut-être remarqué, mais ils ne disent rien. J'ai même essayé de lui donner de la soupe pour le faire grandir à nouveau. Mais ça ne marche pas. Mange un tout petit peu de soupe. Désormais, je mets mon ours dans mon sac à dos. Il est toujours avec moi. Oh, un diplodocus! Très vite, il tient dans ma main. Je le serre sur mon cœur. Puis un jour, il a disparu. Doudou, où es-tu? Où te caches-tu? T'es-tu transformé en ours papillon? Ah mais non! Le voilà! Bien au chaud, au milieu de mes autres peluches. Est-il monté seul sur l'armoire? Ou bien, c'est moi qui l'ai mis là? Je n'étais pas bien réveillée ce matin. Ce tout petit ours n'a pas l'air fâché d'être là, avec ses nouveaux amis. Et moi, je ne suis pas triste. Si ce doudou n'est plus dans mon lit, c'est parce que je n'en ai plus vraiment besoin. Bye bye, doudou.
ton avis, c'est le petit garçon qui a grandi ou c'est le doudou qui a rétréci? Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite, les amis.